Le comité organisateur est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse qui donnera officiellement le coup d'envoi à la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018. Sans plus tarder, j'invite tout de suite mon premier orateur à venir prendre la parole, M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford. Ça a été des beaux Jeux du Québec, Alma. Ça a été un beau lancement qu'on a fait là-bas. Ça a été une belle cérémonie de clôture, mais ça s'est terminé là-bas de belle façon avec ces images-là pour les athlètes qui étaient présents dans la salle, une salle survoltée. Mais ça a été un très, très beau message d'invitation qu'on leur a lancé. On leur a dit, on a une belle région, on vous attend. Les prochains, c'est chez nous. Donc, pourquoi on a des Jeux du Québec si aujourd'hui on lance les Jeux du Québec, c'est à Thetford. Vous savez, c'est la troisième fois qu'on les a. On est très content de les avoir pour une troisième fois. Bien, tout ça a débuté par un coup de fil lancé à Mme Gendron. Il y avait le programme des Jeux du Québec. Ils se cherchaient un endroit où atterrir après quelques tergiversations. Et puis, le coup de fil était simplement pour se manifester, pour dire, écoutez, chez nous à Thetford, on cherche des événements mobilisateurs. Et puis, on pourrait être intéressé, si jamais ça ne fonctionnait pas avec la ville avec laquelle vous discutez actuellement. Sincèrement, ce qui était en arrière de ça, c'était de dire, on commence à être intéressé, puis on verra pour les prochains. Mais finalement, ben, le téléphone est revenu pour nous dire, ben, si ça vous intéresse, on est prêt à se lancer dans l'aventure. Donc oui, la ville, on est là à chercher des événements rassembleurs. On cherche des événements aussi qui vont nous donner des retombées touristiques, parce qu'au point de vue touristique, infrastructure touristique, on est en train de s'équiper, on est en train de vraiment prendre notre vent sur beaucoup d'autres régions, mais ça, c'est pas assez su encore, c'est pas assez connu. Il faut que les gens le sachent, il faut que les gens viennent nous voir, donc on a besoin de générer de la visite. Maintenant, les Jeux du Québec, mais ça va aussi en droite ligne avec le changement d'image qu'on est en train d'opérer chez nous. Vous allez voir beaucoup d'investissements qui vont se faire, beaucoup d'actions qui se font pour améliorer l'image de notre ville, de notre région. Et puis, les Jeux du Québec, avec tout ce qui l'entoure, c'est sûr que ça va en droite ligne avec ça. Ça va aller nous chercher une visibilité provinciale aussi, parce que au niveau des Jeux du Québec, évidemment, ça touche l'ensemble des régions. Quand on parle de Jeux du Québec, on parle de 19 régions qui vont venir nous visiter, donc avec une visibilité médiatique partout dans ces 19 régions-là. Donc, on va parler positivement de notre ville. Maintenant, à quoi ça sert aussi les Jeux du Québec? Ça sert à laisser un souvenir incroyable à tous ceux qui viennent, que ce soit des athlètes, que ce soit les accompagnateurs qui viennent avec eux, que ce soit les parents. C'est toujours des souvenirs qui sont incroyables pour ceux qui vont venir ici. Maintenant aussi, ça sert à développer nos talents. Hein? On a une quarantaine d'employés qui vont travailler. Je fais partie de ceux qui ont travaillé en 2003. Anne-Marie était là aussi. Plusieurs personnes, que ce soit tant bénévolement que de façon payée, ont développé leurs talents de belle façon. Ça attise aussi l'attrait localement pour le sport et l'activité physique, ce qui n'est absolument pas négligeable dans le programme des Jeux du Québec. On va laisser un héritage
en termes d'infrastructure aussi avec les Jeux du Québec. On parle de plus de 6 millions de dollars qui seront investis par les différents partenaires des Jeux du Québec en termes d'infrastructure sportive et au niveau des institutions scolaires aussi. C'est vraiment gigantesque comme legs qu'on va avoir par rapport aux Jeux du Québec. On en est très fiers. Donc, avec les Jeux du Québec, bien, c'est que du positif. On est habitué de gérer le négatif. Des fois, ici à Thetford, maintenant, on va gérer du positif. Les Jeux du Québec, ça vient avec une ambiance, avec une énergie qui est incroyable. On l'a senti à Alma. Je pense que les petites villes, on est fort aussi pour réussir à développer une ambiance comme ça pour les Jeux du Québec. Donc, on va le faire de belle façon, nous autres aussi. On va faire en sorte pour que cette énergie-là transcende dans toute la communauté. Maintenant, merci à tous ceux qui ont travaillé fort parce qu'on arrive aujourd'hui à signer un protocole. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé fort pour se rendre jusque-là dans les délais qu'on a eus. Merci spécialement à Sport Québec qui ont été des bons collaborateurs, qui ont accepté que je les achale assez souvent parce qu'on avait des enjeux puis ils ont bien collaboré. Le comité organisateur qui a été très patient avec la ville. Merci beaucoup. Les gens de la ville à l'interne, on a travaillé très, très fort aussi pour monter tous les projets qu'on avait déposés là-dedans. Le cabinet du ministre Sébastien Proulx, on était particulièrement achalant dans les dernières semaines. Donc, on les remercie, le bureau du sous-ministre aussi. Le cégep, la commission scolaire, ça avait été des partenaires en or qui font en sorte qu'aujourd'hui, on va être capable d'avoir un leg aussi fort pour les Jeux du Québec. J'invite maintenant M. Michel Allen, président de Sport Québec, à venir vous adresser la parole. Chers amis, je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour officialiser l'entente qui lie Sport Québec et la ville de Thetford Mines en vue de la finale des Jeux du Québec de l'été 2018. Par ce geste, nous réitérons la confiance démontrée par notre conseil d'administration qui confirmait à Thetford en juillet dernier sa capacité à tenir cet événement. Les motifs qui ont justifié notre choix sont les meilleures assises de l'évolution harmonieuse de votre organisation, et c'est pourquoi je tiens à vous les rappeler aujourd'hui. Le ministre Lessard sera entièrement d'accord avec moi quand je rappelle que l'historique de Thetford Mines illustre clairement le succès organisationnel des deux finales qui se sont tenues, celle de l'hiver 1980 et plus récemment celle de l'été 2003. Voilà un des premiers motifs qui a incité Sport Québec à répondre favorablement à l'intérêt démontré par le maire de Thetford, Marc-Alexandre Brousseau, lorsque nous étions en démarche de sollicitation pour trouver un milieu haut. La mobilisation citoyenne à Thetford Mines est un facteur important pour la réussite de cette finale. La proximité des sites d'activité est également un élément clé, de même que la collaboration et l'engagement des partenaires requis pour l'événement. Nous sommes assurés que, pour une troisième fois dans l'histoire des Jeux du Québec, les jeunes athlètes recevront ici un accueil chaleureux et vivront un événement marquant dans leur cheminement sportif. Au cours des prochains mois, Sport Québec, au fin de l'entente que nous paraphons aujourd'hui, sera à vos côtés tout au long du parcours qui nous conduira à l'été 2018. Nous vous avons accompagnés notamment dans la mission d'observation que vous avez constituée pour la 52e finale des Jeux du Québec à Alma du 24 février au 4 mars dernier. La qualité des liens qui unissent les communautés qui accueillent les Jeux, cette fraternité entre les milieux organisateurs, favorise un important héritage organisationnel qui n'a cessé de croître depuis 1970, au moment où naissait le programme des Jeux du Québec. Alors, je dis merci à Thetford Mines de continuer de croire aux Jeux et de vous inscrire à nouveau dans leur évolution. Merci d'offrir aux jeunes du Québec l'opportunité d'un rendez-vous sportif qui, j'en suis convaincu, marquera leur vie. Alors, prochain rendez-vous, 53e finale des Jeux du Québec, ici même à Thetford Mines, à l'été 2018. Merci encore d'être là. Je laisse maintenant la parole à M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et ministre responsable de la région du Centre du Québec. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer. Je pense que c'est un moment important aujourd'hui pour la ville, pour la région aussi. Comme quoi, l'histoire se répète, mais Jean Leroy quand même était ici au dernier Jeux du Québec. Et ça me rappelait toute cette période-là. Bonne initiative, Marc-Alexandre, d'avoir levé le téléphone, je pense, et d'avoir dit encore présent. De toute façon, je me revoyais dans ton discours tout à l'heure. Il me semble d'aller retourner voir l'autre gagnon. Parce que c'était la finale de Rimouski, puis la région s'était mobilisée dans le temps. Donc, en 2003 ou avant, en 2002, pour préparer le cahier des chars. Puis,
avec Denis Landois. On avait mis Claude Gagnon d'un camion. Moi, il était descendu à Rimouski avec le cégep. Puis en revenant, on avait un président des Jeux. Fait qu'aujourd'hui, ben, la démarche, un peu, Guylaine, bravo. bravo pour ton implication. Et puis à ce moment-là, Marc-Alexandre et Anne-Marie étaient deux directeurs des Jeux du Québec, comme quoi aussi ils deviennent après ça des ambassadeurs. Alors que, donc, pour la région, je veux remercier Sport Québec, M. Allen, qui est un gars originaire de Inverness, si j'ai pu comprendre. Alors donc, quand même, c'est une ville de champions au niveau des sports l'an dernier, donc au football, là, que ce soit au hockey, que ce soit au baseball, donc c'est quand même l'année d'après. Ça envoie un signal fort, en tout cas pour les gens, que quand ils viennent ici, on a une culture de sport et de loisirs. Évidemment, les Jeux du Québec étaient à peu près aux 20 ans, les villes reviennent aux 20 ans. Je comprends que là, aux 13 ans, nos installations n'ont pas trop vieilli, fait qu'on va être correct. Donc, au nom aussi du ministre, quand on a fait les démarches, parce qu'il y a des contributions, on voit quand même aussi la difficulté quand les programmes provinciaux ne sont pas arrimés nécessairement avec les Jeux. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut corriger. Si quelqu'un prend les Jeux du Québec, il y a une responsabilité de mettre à jour les infrastructures. Puis dans les derniers mois, Marc-Alexandre a souvent téléphoné pour dire bien, quand est-ce qu'on finance. Puis avec la commission scolaire qui dit oui, oui, j'ai des choses à financer ou à mettre à jour, mais qui ne correspondent peut-être pas aux besoins d'accueillir 4 000 jeunes qui vont venir coucher à Polyvalente, les salles de bain, les gymnases, la piste d'athlétisme, qui est tout le temps la difficulté. C'est celle-là en 2003 aussi, puis c'est encore celle-là qui est revenue. Alors, prochainement, j'annoncerai les contributions assez importantes et presque en totalité financées pour le volet de commission scolaire. Alors, donc, on a eu les engagements, et je pense que la lettre est sortie, mais prochainement, j'aimerais bien avoir le ministre qui descende puis qui vienne faire un tour, là, pour bon aussi dire merci à ceux qui s'engagent bénévolement. C'est une région, à tous ceux qui prennent des responsabilités aussi, merci. Vous étiez là en 2003, il y en a qui étaient là bien avant. Et puis, c'est du nouveau monde parce qu'on aussi notre population, on avait beaucoup de bénévoles d'un certain âge. Il faut renouveler notre engagement bénévole. De nouveaux visages, de nouvelles figures viennent prêter main forte. Et puis, c'est un beau mouvement de solidarité qu'on envoie. Au nom de la jeunesse et de l'excellence dans le sport, hein, dans la contribution dans le sport du Québec, mais à tête ferme. Alors, on est bien fiers d'accueillir. Bravo pour l'initiative, Marc-Alexandre, d'avoir levé la main. Puis à toutes les régions, merci de vous engager une fois de plus. Moi, ça me rappelle, c'est vrai que ça change des jeunes une fois pour tout. Moi, c'est en 1976 que j'ai participé aux Jeux du Québec. C'était à Jonquière à ce moment-là. Et je me souviens, comme jeune de 14 ans, à peu près, on allait en ballon sur glace. C'était les sports d'hiver, prendre l'autobus, s'en aller représenter, avoir les... On était centre du Québec à ce moment-là. Et donc, on est tous partis, on a fait des habits neufs. Et donc, et découché pendant 3-4 jours. Alors donc, ça avait été encore mémorable. J'étais à Saguenay vendredi, puis honnêtement, j'ai eu cette pensée-là en disant, pas trop loin, je vais à Pancarte de Jonquière, puis bon, moi, Jonquière toute ma vie. Je penserais à ça. J'étais donc un des représentants régionaux. On avait gagné la médaille de bronze pour la région et le nombre de médailles ou de points accumulés. Alors, merci beaucoup et bon jeu. 2018 sera une belle année. Puis c'est une belle année à partir d'aujourd'hui parce que c'est l'organisation, c'est la mise en œuvre, c'est la réalisation, c'est l'ambition, c'est l'énergie. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans la région, là. On veut tout faire, on veut tout accomplir. Puis il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Fait que... Bonne journée tout le monde, merci. D'abord, laissez-moi vous exprimer comment on est heureux. On est heureux, le comité organisateur, les membres du conseil d'administration, que vous l'ayez enfin signé ce protocole-là. On l'attendait, vous avez été persévérant, vous avez été transparent aussi dans toutes les négociations, etc. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais avec de la persévérance et de la ténacité, on a signé ce matin. Donc, on a officiellement la 53e finale des Jeux du Québec. Notre finale, mais surtout votre finale à vous autres. Les membres du conseil d'administration, on en a quelques-uns, M. Larouche, Olivier, Robert, Charlotte. Je ne veux pas n'oublier là, quand on commence à nommer des gens. Donc, les membres du conseil d'administration n'ont pas chômé. On travaille depuis 6 mois environ. Je pense qu'Anne-Marie était rentrée en poste au mois de juillet. OK, puis elle a commencé à travailler fort. Elle aussi, elle a été tenace et persévérante. Et on est en ligne pour présenter cette 53e finale des Jeux puis en faire un succès. Le conseil d'administration s'est penché, OK, comme on a dit, c'est la 3e fois les Jeux du Québec, puis le conseil d'administration, le comité organisateur se sont dit, bien, comment ça une 3e fois?
La conclusion qui est venue, c'est que ce soit pour l'expertise reconnue de la Ville en matière d'organisation d'événements d'envergure, pour la mobilisation des gens de la région ou pour le désir de promouvoir l'activité physique ou les attraits du territoire, nous sommes tous convaincus des avantages de recevoir une finale pour la troisième fois. Plus encore, nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit à la hauteur des attentes. Le fruit des réflexions a d'ailleurs été récupéré dans un document que vous allez trouver dans chacune de vos poches, vos pochettes. Okay, la finale des Jeux du Québec à Thetford, pourquoi? Okay. Le comité organisateur nous a conçu ça suite à la demande d'un membre du CA qui disait, tu sais, dans les parties de Noël, là, après deux bières, trois bières, là, comment ça encore? T'sais, ça coûte cher. Pourquoi une troisième fois? C'était un succès. Fait que le comité organisateur vous a pondu des belles réponses. C'est quand même 3 700 jeunes, leurs familles, plus de 100 000 personnes qui vont visiter. Je ne vous vends pas toutes les punches, mais prenez le temps de le lire, d'en faire des copies puis de les distribuer. Conçu dans l'optique de faciliter la compréhension des gens quant à l'ampleur du projet, il permet également de répondre à bien des questions qui vont vous être posées. Parmi les actions réalisées par le Conseil depuis sa création, une démarche a été entreprise en vue de définir la mission. Je vais vous la lire, c'est une belle mission. Avec fierté et engagement, présenter une finale des Jeux du Québec de qualité dans le but d'inspirer les jeunes Québécois et la communauté à bouger et à se dépasser tout en vivant une expérience mémorable dans notre région. Je vais vous la répéter. Je pense que ça vaut le coup, elle est tellement belle. Avec fierté et engagement, présenter une finale des Jeux du Québec de qualité dans le but d'inspirer les jeunes Québécois et la communauté à bouger, à se dépasser tout en vivant une expérience mémorable dans notre région. C'est ça qu'on veut réaliser. Moi, j'ai un frissonomètre, là, quand il se met à l'œuvre, normalement, je le promets à la bonne place, puis là, il est à l'œuvre. On a aussi établi 6 valeurs avec le comité organisateur et le conseil. Ce sont le plaisir, la saine compétition, le respect, la solidarité, la persévérance et la passion. Ça va être les 6 valeurs avec cette mission-là qui vont conduire le comité organisateur dans leur choix des prochains 18 mois, 15 à 18 mois. On a déjà une belle preuve. Tantôt, Anne-Marie va vous présenter notre logo. La conception du logo s'est appuyée sur ces valeurs-là puis sur cette mission-là. Je souhaite également souligner que toute l'équipe est très contente du résultat de ce logo-là. On est fiers que la 53e finale des Jeux du Québec propose une image à la fois moderne, dynamique et surtout significative. Fait que je peux vous dire maintenant qu'on est en voiture avec l'équipe de direction. Je les ai vus à Alma. C'était un grand plaisir. Michel, on a nos deux Michel, là. Mais Michel Gendron, elle était à sa 40e finale des Jeux du Québec. Totalement inspirant. Après une retraite bien méritée, mais elle nous a laissé son cellulaire, son courriel, son adresse. Fait que je pense qu'on va quand même, mais elle va être totalement bien remplacée aussi par Michel, par une autre Michel. Hein? Tout est en place. Fait que vous autres, surveillez votre page Facebook. Il y a des emplois qui vont arriver. Il y a 3 500 bénévoles. Des fois, dans le journal, on voit 3 000, 3 700, 3 500, 3 200. C'est entre 3 000 et 4 000, disons. Puis dites-vous que ça va être toute une fierté quand on va être assis à la cérémonie d'ouverture le 27 juillet prochain. Et je peux vous dire qu'il y a dans la salle cachée 3 bonhommes qu'on va vous annoncer un petit peu plus tard, qui ont commencé vraiment à mettre la main à la pâte, je ne veux pas mélanger la main à la pâte pour nous aider dans le financement. On ne les présente pas officiellement aujourd'hui, mais ils sont ici avec vous, à vous de les découvrir. Puis vous surveillerez vos médias dans les prochaines semaines. Fait que merci d'avoir été là et on est prêt pour la 53e finale. Merci, Mme Dubuc. Pour terminer, je laisse la parole à notre directrice générale, Anne-Marie Rousseau. On constate que l'organisation de la 53e finale est soutenue par un grand nombre de personnes, à commencer par notre présidente, Mme Guylaine Dubuc, qui est une dame de cœur. Merci d'être là, Guylaine. On a également 17 autres personnes d'un conseil d'administration formé de personnes de qualité qui sont toutes aussi investies du projet, qui ont à cœur la région, les jeunes, le sport. Donc, on est content également de les avoir avec nous, ils nous supportent. L'équipe de Sport Québec également qui marche à nos côtés. L'officialisation de l'entente entre Sport Québec et la Ville est l'occasion qu'on attendait finalement pour lancer nos activités, lancer la 53e finale des Jeux du Québec. On en est très fiers, je parle au nom de l'équipe de direction, très heureux que finalement l'entente soit signée, soit officialisée.
D'abord, je veux porter votre attention sur notre logo, qui circule depuis quelques instants sur les médias sociaux, un peu partout, subtilement. En novembre dernier, on a demandé aux graphistes de la région de nous soumettre, de nous proposer un visuel représentant l'événement. Donc, une vingtaine de logos très différents nous ont été présentés. Les orientations du conseil d'administration et les consultations qu'on a faites auprès des membres de la direction et d'un comité d'experts en communication nous ont orientés vers Mme Cynthia Côté, qui provient de l'imprimerie Gingras. Alors, c'est le logo de Mme Côté que nous avons choisi. Notre choix s'est arrêté sur un logo de couleur rouge et noire, où deux silhouettes en mouvement portent une flamme. Dynamique et fière, les athlètes représentent l'esprit de collaboration et le travail d'équipe. La flamme symbolise bien sûr la passion des jeunes athlètes, mais aussi la chaleur de toute la communauté qui accueillera la grande famille des Jeux. Vous remarquerez que la flamme a été volontairement divisée en trois sections, en référence au fait que nous allons présenter pour la troisième fois une finale, donc suite à 1980, 2003 et bientôt 2018. Un élément distinctif a été intégré en paysage de fond, le chevalement minier. Nous avons choisi d'ajouter la silhouette du chevalement parce que nous trouvions important de faire un clin d'œil à notre histoire et, par la même occasion, de créer un logo permettant d'identifier facilement notre région. Finalement, la calligraphie en lettres cursives a été judicieusement sélectionnée pour symboliser la solidarité, le partenariat et l'engagement de chacun pour la réalisation d'une finale qui appartient à notre communauté. Communauté qui, par ailleurs, est fière et n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié. Outre la définition de notre image visuelle, d'autres étapes importantes du projet sont en cours. Alors, notamment, la mise en place du comité de financement, comme l'a mentionné Mme Dubuc. On a présentement trois présidents qui seront dévoilés d'ici quelques semaines. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes qui ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme de chapeauter cette campagne de financement. Aussi, à la suite d'un concours lancé auprès des élèves du primaire et du secondaire, 587 dessins représentant notre mascotte ont été soumis et un comité de sélection a été formé en vue de choisir un concept et un nom. Suivra la création de la mascotte qui devrait prendre vie au début de l'été 2017. Un grand merci à la commission scolaire, aux enseignants, aux parents et aux élèves pour cette belle participation. Finalement, notre maison des Jeux, le siège social du comité organisateur. Alors, après avoir été accueillis chaleureusement dans les bureaux de la SDERT à nos débuts, nous bénéficions maintenant d'un lieu de travail bien à nous qui sera aménagé pour recevoir une quarantaine d'employés et des centaines de bénévoles organisateurs de passage pour des rencontres de toutes sortes. Notre maison est située juste à côté ici, au 257 rue Notre-Dame, au cœur du centre-ville. Dès que tout sera en place, nous serons heureux de vous y accueillir lors d'une journée porte ouverte. Alors, dès le départ, le comité organisateur s'est donné le mandat très clair de faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes athlètes, d'offrir aux milliers de visiteurs un accueil chaleureux et bien sûr de faire découvrir à toutes ces personnes les beautés de notre région. Et tout cela en ayant du plaisir à le faire. Comme le dit une de nos valeurs principales. Toutes les personnes intéressées à s'investir dans le projet sont les bienvenues. C'est ensemble qu'il est possible de surprendre l'ensemble de la province avec une finale inoubliable. D'ailleurs, le comité de direction est à la recherche de directeurs bénévoles dans différents domaines. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez envie de mettre à profit votre expertise et vivre une expérience incomparable. Pour avoir pris part à la finale de 2003, comme certains d'entre nous, je vous garantis que c'est une expérience dont vous vous rappellerez toute votre vie. Merci à ceux qui se sont engagés déjà et bienvenue aux futurs collaborateurs. Alors, c'est parti, en route pour la finale 2018. Mon nom est Dita Yuan et je suis Québécois d'origine vietnamienne.
Quand on restait à Québec, il y avait une famille à côté aussi modeste que la nôtre, puis il y avait un jeune garçon qui s'appelait Steven. Je me souviens, il m'avait donné son vieux bicycle. Quand il jouait avec la gang dans laquelle il était, bien, il venait me chercher. Je pense que sans le savoir, Steven exerçait ce que j'appelle l'inclusion. Bien, je me sentais Québécois quand on était parqués dans le stationnement avec tous nos petits bicycles, puis que je faisais partie de la gang. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 900 millions de dollars au Québec. Être un homme, c'est ça aussi. D'homme à homme, service d'aide pour hommes en difficulté. La TVCRA vous invite à jouer au bingo salon dans le confort de votre foyer. 925 $ en prix distribués en 5 tours tous les lundis à 18h au Canal 9. Pour connaître les points de vente ou pour toute autre information, communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com.